Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Evelyne Mahapi, membre active de l'Union des Femmes Debout. Et ce soir, je serai la modératrice de cette réunion qui a pour objectif de traiter sur des thématiques dignes d'intérêt pour tous les amoureux du continent. L'une des thématiques principales de notre soirée est comment la femme africaine peuvent-elles préserver l'avenir de la jeunesse africaine. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir des personnalités au parcours inspirant qui vont pouvoir nous apporter un début de réponse sur ces thématiques qui touchent de près ou de loin notre communauté. Merci pour votre écoute. Au revoir. Dans la politique, on a fait une petite enquête et les personnes, c'est pas qu'ils n'étaient pas contentes d'acturisme, mais ils disaient qu'on le prenait comme des numéros. Ils n'étaient pas très bien accueillis, bien suivis, ainsi de suite. Donc j'ai mis en place une association qui s'appelle CIPROC et qui s'occupe l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et puis on a ouvert d'autres activités. Donc, ça fait 19 ans que j'ai cette association. Ici, on va parler de la jeunesse. Moi, c'est vrai que je fais toujours des discours, mais je ne suis jamais. Je pars toujours avec mon cœur, parce que je trouve que ce sont des sujets qui nous touchent vraiment au plus profond de nous autres les mamans. Dans le cadre de mon association, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Employabilité, mais ça concerne juste la commune d'Escarbec, parce que l'association est installée à la commune d'Escarbec, et juste un petit quartier, parce que c'est dans le cadre du contrat de quartier. Et ces projets-là, on peut l'élargir à tout le monde. Pourquoi? Parce que on accompagne des jeunes qui sont en décrochage scolaire, ou alors qui ne croient plus à tout ce qui est formel, donc acturisme, toutes les institutions. Et on s'est dit comment attirer ces jeunes-là qui n'ont plus confiance en rien pour qu'ils puissent quand même retourner dans le droit chemin. C'est un travail très difficile avec ces jeunes, mais on arrive quand même à en avoir quelques-uns. Il y en a certains qui viennent une fois, deux fois, et puis ils ne reviennent plus, parce que bon, ça ne les intéresse pas, et ce n'est pas leur dada, si je peux dire. Ils sont bien là où ils sont, mais il y a certaines qu'on arrive quand même à remettre dans une école qui recommence à suivre une formation, ou alors qu'on leur trouve un petit boulot, quelque chose comme ça. Et quand on arrive à faire ça, vraiment, c'est quelque chose que... On est heureux, quoi, parce que c'était des enfants qui étaient un peu perdus. Maintenant, on arrive à les remettre dans le droit chemin. La problématique de la femme. Je crois qu'avec les temps qu'on nous a donnés, ça serait difficile pour moi de parler de tout. Surtout un thème aussi important qu'on nous demande de développer. Comment les femmes africaines peuvent-elles préserver l'avenir de la jeunesse africaine? Vous savez que c'est énorme, hein? D'emblée, je dirais que pour moi, les femmes africaines, je dois d'abord les catégoriser. Parce que quand on dit les femmes africaines, nous avons les femmes africaines ici. On les appelle les femmes africaines de la diaspora. Donc les femmes africaines qui ont quitté leur milieu d'origine, qui sont venues ici. Pas seulement en Europe, hein, partout. Donc qui ont quitté leur milieu, on les appelle les femmes africaines de la diaspora. Il y a aussi les femmes africaines qui sont restées dans nos pays d'origine. Elles sont aussi des femmes africaines. Même pour la jeunesse africaine. La jeunesse aussi, nous avons trois catégories. Nous avons la jeunesse africaine qui est restée dans nos pays. Nous avons la jeunesse africaine qui a quitté l'Afrique pour venir s'installer dans la diaspora. Et nous avons la jeunesse africaine
qui est née ici. Donc vous comprenez un peu, le tableau devient un peu bizarre. Mais je crois qu'il fallait mettre un peu de l'ordre. Parce qu'on nous demande ce que la femme africaine doit faire pour prévenir. Vous savez, prévenir la jeunesse africaine, je ne sais pas, vous savez qu'à l'horizon 2050, les prévisions disent que 35% de la population, 35% des jeunes seront africains. Vous comprenez? Donc cela veut dire que c'est un grand défi. Un grand défi dans le sens qu'il ne faudrait pas que nous avons seulement la quantité, mais il faut que nous puissions avoir aussi la qualité. Alors, je voulais brièvement donner le besoin de la femme. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si je n'ai que 100 euros, on me demande de donner 200 euros, je ne peux pas. Parce que je n'ai que 100. Donc, la femme qui doit être derrière, comme maman vient de nous dire, doit être derrière les enfants, parce que ça commence d'abord à la maison. Elle doit d'abord être équipée. Et pour moi, j'estime que le premier équipement pour la femme, c'est d'abord l'éducation. Je ne sais pas si on peut me contredire, mais c'est d'abord l'éducation. Parce que l'éducation, c'est une arme très puissante qui fait la promotion de la femme. Avec l'éducation, les femmes ont des compétences. Avec l'éducation, la femme a des capacités. Madame a dit, quand vous avez votre diplôme, même si aujourd'hui vous ne travaillez pas, mais demain vous allez travailler. C'est comme ça que je voulais encourager mes sœurs qui sont ici dans la diaspora. Vous devez étudier. Allez encore loin. Allez encore. Parce que ici, ce n'est pas notre finale. Vous devez déjà penser que on est mieux que je sois. Excusez-moi de le dire. Un jour, nous pensons que non, moi je peux retourner. Moi, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Et je me sentirai très à l'aise là-bas. Alors, quand je viens ici, de passage, je dois vraiment m'équiper suffisamment. Donc, cette femme-là doit être outillée. Et le premier outil pour moi, c'est l'éducation. Comme je venais de dire. Il n'y a pas que l'éducation, la femme a besoin aussi d'encadrement. Il faut encadrer les femmes. Je vois, je suis très heureuse, je disais, parce que je vois beaucoup de nationalités, hein. J'ai vu les Sénégalaises, les Marocaines, je ne sais pas, les Congolaises. Donc, c'est très important, ce genre de forum, où il y a une multitude de pays, où on peut apprendre quelque chose là-bas. Vous comprenez un peu ce que je voulais dire. Donc, cette femme a besoin d'éducation, a besoin de l'encadrement, et la femme africaine a besoin de travailler en synergie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est révolu de travailler en solitaire. Nous devons travailler en synergie, comme je vois ici. Les mamans qui sont là, je vois la Marocaine, Congolaise, multitude de nationalités. Donc, c'est très important parce que ça va nous enrichir. Telle donne une expérience, l'autre donne aussi son expérience. C'est très important. Donc, je me résume. La femme a besoin d'éducation. La femme a besoin de l'encadrement, la femme a besoin de formation, la femme a besoin de travailler en synergie. Parce que quand elle est suffisamment équipée, c'est alors qu'elle peut encadrer la jeunesse, elle peut prévenir tout ce que nous voulons prévenir. Mais si la femme n'a pas étudié, comment? Parce que la femme qui a étudié a des capacités, on a dit, elle peut préserver même sa santé. On voit aujourd'hui, moi-même j'ai 5 enfants, excusez-moi, mais nous sommes en train de combattre ça. Pourquoi? Parce que regardez votre collègue, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire de 1000 euros, lui il a 1000 euros, il n'a que 2 enfants, vous en avez 5. Vous voyez un peu, hein? Vous allez sacrifier certains enfants pour dire qu'un non, c'est-à-dire, vous allez même commencer à choisir des écoles. Parce que les moyens que vous avez ne vous permettent pas de mettre tous les enfants dans des écoles. Or, celui qui a 2 enfants, il se permet le luxe, il peut mettre ses enfants là où il veut. Il peut se permettre de faire des voyages à ses enfants. Donc, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire à la femme. Parce que c'est la femme qui accouche après tout. Bon.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui ont eu cette chance, je veux dire, de nous suivre aujourd'hui, parce qu'on a eu la très bonne occasion de nous retrouver parmi les femmes. Quand je dis les femmes, vous allez voir, il y a certains hommes autour de moi, mais ces hommes-là sont nos invités, nous les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, nous sommes ensemble pour réfléchir comment récupérer nos enfants, la jeunesse africaine. On a des soucis, mais des soucis énormes, comme vous ne pouvez pas imaginer. Les mamans ont dit, parce que dans la conférence, on a dû écouter Madame Simba, qui fut ministre, et aujourd'hui elle est avec nous. Elle a parlé des différentes, je veux dire, entre guillemets, sortes d'enfants africains. Donc il y en a qui sont restés au pays, il y en a qui sont ici, qui sont venus rejoindre la diaspora, et puis il y en a qui sont nés carrément ici et qui sont totalement perdus. Et les mamans sont en train de réfléchir pour voir comment récupérer ces enfants-là pour que nos enfants ne soient pas perdus, qu'ils restent dans la communauté et dans la société. On a notre culture à défendre, mais comment défendre cette culture? Parce qu'il y a des choses dans la diaspora qui ne correspondent presque pas, on dirait, avec tout ce qui se passe dans nos pays. Et c'est très difficile, croyez-moi. Là, je parle en tant qu'une mère. Donc j'en sais quelque chose. Quand on doit expliquer aux enfants, quand on doit apprendre aux enfants certaines choses, je vous donne l'exemple, chez nous, on ne peut pas appeler quelqu'un qui est plus âgé que soi par son nom ou son prénom. Donc, il faut dire, par exemple, Yaya, qui veut dire grand frère ou grande sœur, papa, par respect. Mais comment expliquer à un enfant qui est né ici, même s'il a la peau noire, qu'on peut appeler quelqu'un d'autre papa sans qu'il soit son père géniteur? Donc, c'est des choses à expliquer. Et parfois, c'est très, très compliqué. Et là, on cherche à comprendre comment faire. Et la tâche est très, très difficile. Donc, on a la chance, que je vous disais, cette soirée a une énorme chance de retrouver toutes ces personnes qui sont... je vous parlais tantôt de Madame Chantal Simba. Chantal Simba, qui était ministre, elle est là avec nous. Elle a parlé, vous l'avez vu. Elle a dit dans la salle qu'on pouvait la poursuivre. Pour poursuivre des questions, et elle est en train de manger, désolée, on va la déranger un peu. Madame Chantal, je veux rebondir sur l'histoire, vous avez dit par rapport, chez nous par exemple, on ne peut pas appeler quelqu'un par son prénom qui est plus âgé. Oui. Comment combiner tout ça à un enfant qui est né ici par exemple? Comment lui expliquer que ce monsieur qui n'est pas votre père géniteur, comment on peut l'appeler papa? La technique est difficile, non? La technique est difficile parce que si vous prenez... vous commencez à sensibiliser l'enfant à partir d'un certain âge. Mais si vous commencez déjà, quand l'enfant est né, vous lui montrez, c'est notre culture, je voulais dire. Nous, c'est notre culture, nous sommes nés comme ça. Et quand vous, restez à la, vous êtes à la maison, vous voyez quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous ne pouvez pas l'appeler par son prénom. Je ne peux pas appeler mon grand frère Romain. Nous, on appelle Ya Romain, grand frère Romain. Voilà, je crois que la technique n'est pas si compliquée que ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un est plus âgé que vous, vous ne l'appelez pas Romain, vous l'appelez Ya Romain. Ya Romain, c'est la culture, c'est un signe de respect, c'est notre façon de vivre qui nous fait, qui nous donne nos marques. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli, ça veut pas, mais c'est notre façon de faire. Justement, c'est ça qui fait qu'on est poli. Et chez nous, un enfant n'est pas l'enfant seulement de sa mère, mais c'est l'enfant de tout le monde. C'est ça que l'Afrique a besoin, c'est ça que l'Afrique veut retrouver partout dans sa façon de faire. Donc on est toujours dans la salle en train de voir, je vous ai dit qu'on était avec des papas. On a un papa ici, toujours dans le cadre du respect, hein, on appelle des gens de papa. Ça vous dérange qu'on vous appelle papa alors que vous par exemple n'êtes pas mon père? Non, pas du tout, on peut être appelé papa sans problème, il n'y a pas de souci. Et ça vous dérange vraiment pas? Non, pas du tout, c'est une habitude, hein, puis c'est comme ça depuis longtemps, donc... Mais on a dit que c'était une histoire de maman aujourd'hui, que le papa, vous êtes venu juste pour nous accompagner. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver parmi les femmes et que les femmes débattent d'un sujet aussi complexe? En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'elles perçoivent aussi les problèmes de la société et quels problèmes elles ont l'intention d'apporter, quelles solutions elles ont l'intention d'apporter à ces problèmes. Et puis, comment elles appréhendent toutes ces choses. Il y a des vues qui sont vraiment assez différentes de ce qu'on peut imaginer habituellement.
Un grand merci, monsieur. Je veux dire papa. Donc tout ça, c'est pour nous donner cette joie de vivre. On va encore continuer. Et j'avais dit que cette soirée, on a la chance de retrouver avec nous Madame Yvette Tabou. Vous connaissez tous la fille de notre cher Rochero Taboulay. Sa fille est là. Nous sommes avec maman Yvette. J'ai dit c'était notre chance. Elle est là, de passage, mais en tant que mère, elle se retrouvait parmi nous et on va la déranger un peu dans son assiette. Elle est en train de manger, mais c'est une mère parce que là, on est en train de parler des mamans et on a dit on a la lourde charge, je ne vais pas dire de rééduquer nos enfants, mais comment faire? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. Comment faire avec ces enfants-là? Maman Yvette Tabou, bonsoir. Bonsoir, maman Mimi. Quelle est la technique pour appliquer, pour éduquer nos enfants? Parce qu'on a dit, les enfants africains, parce qu'on parle, on est en Europe ici, hein. Là on est en plein Bruxelles, mais on parle des enfants africains. Vous êtes mère? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis mère de 3 enfants, et même grand-mère d'ailleurs. Mais il n'y a pas de technique comme ça pour dire, voilà, voici une technique. Parce qu'il n'y a pas d'école de parents. Tout se fait d'abord par le bon sens. Le bon sens qui vient d'abord de l'éducation que les parents ont reçue. Pour préserver nos enfants, pour préserver l'avenir de nos enfants, aujourd'hui nous sommes dans un monde très connecté. Un monde connecté au réseau où les enfants peuvent voir tout et n'importe quoi. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Et surtout ici en Europe, c'est encore beaucoup plus facile. Il faut que chaque parent se sente responsable de l'éducation de ses enfants et un plan d'éducation pour ses enfants et puisse dire non à ses enfants quand il faut et bien les encadrer, les suivre pour l'école et au-delà de l'école, parce que souvent on reproche ça aux parents africains de ne pas être des parents très présents pour les écoles et la scolarité de leurs enfants, d'être vraiment présents pour leurs enfants et de se sentir responsable de l'avenir de leurs enfants. C'est ce que moi je pourrais dire et de s'y impliquer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tant qu'on y est, il faut en profiter un peu. Madame Tabou, c'est la fille de Taboulay. Vous étiez enfant, vous parlez de l'éducation, la fille d'une star. Comment vous avez vécu ça? Dans quelle éducation? Parce que quand on regarde votre façon de faire, nous on se connaît, ça c'est en off, mais on va dire, comment ça s'est passé l'enfant d'une personnalité telle que Rochero Taboulay? D'abord, cette personnalité, avant d'être Taboulay, il avait aussi reçu une éducation. Il a été au séminaire, au petit séminaire. Il a étudié à Tata Raphaël, là où il a terminé ses études. Et c'était un père très, très, très consciencieux. Je parle du père, parce qu'on pourrait parler de l'homme. Et j'aime le dire honnêtement, de l'homme à femme. Mais cela n'a empêché que c'était un papa très aimant, est très responsable. Je pourrais même vous dire que par rapport même à nos mères, pas seulement parce qu'on a eu plusieurs mamans, et chacun de nous pourra toujours témoigner que c'était lui qui faisait notre éducation même à la vie. Notre père arrivait, même s'il avait eu un concert la veille, c'était lui qui nous accompagnait à l'école tous les matins. Là, on a dit qu'on était dans une soirée qui rassemblait tout le monde. Hein. Quand je dis tout le monde, c'est presque toute l'Afrique, parce qu'on a vu des intervenants comme une dame marocaine. Mais on est maintenant, on fait le petit clan. On va dire qu'on est entre nous, Banamboka. Pour Maman Nabisso, en même temps, a zappé ministre provincial dans la ville à Kinshasa. Donc, aux appels à message, j'ai coupé ça, parce qu'on a la responsabilité. Il y a qui ministre Tolingi Toye Bappé. Moi, message, te profiter dans les Kambango pour Olobana soirée à l'élo par rapport à thème à l'élo, par rapport à casquette maintenant à ministre, message ni européen. Moi, tout d'un coup, salut à mon Lingala, dans la PSOP et à mon Lingala. N'akoye bisayo, justement. Oye bimoto aki kolobabongo. Merci. Mais, oh, na kolobalelo na casquette nanga ningolobi. Et ok, nena nous. Tous un cas de gouvernement. Le gouvernement en gros, tous appelés à mon compte. Nabiso gouverneur, Nabiso Excellence Monsieur Gentilingo Bilambaka. La vision na elelo. Il y a pour na Kinshasa Nabiso. Pèse ali vision mon code. Et koki ko toi ko étendre en gros atati awa tana bana ya awa. Ezali que
bana Kinshasa to changer mentalité na biso poto yebako bongisa mboka na biso. Alors ata awa il faut vraiment ba congolais ba parents na nous tozala na conscience que bana il faut pas que totika bango ba balanda car ne bal malanda ngombe makambo ezo sala malelo na mukili lelo ko latela mba ya mukuse to lobio ko sala ndenge nini. Il faut que ba parents ezala important ezali important pour na biso que ata awa to bandako imprimer changement de mentalité na kati na biso déjà poto yebi biso moko ata toza na kati ya diaspora ndenge nini ya moko to fonctionnaka ezala ramalonga na niveau nyo sauté. Yangwana ke changement de mentalité obiso to lingo sala na Kinshasa il faut eyape awa pe na kanisi ke mokondi ya mboka na biso excellence Félix Tshisekedi yepe a sali même agence ya changement de mentalité eza important na likamona tant na zolo ba changement de mentalité responsabilité ba parents po tozo kanisa venir na bango soki to imprimé ango lelo ezala awa ezala na Congo mobimba ezala na Kinshasa eza po toza engomba moko. Toti kayo lia totondi obotondi ya mingi mama. To lobi na bino nyonso ezali kaka pona makambu ya awa. Donc toza pena makambu na biso ya mboka. Mana mboka bazali. Ato moni ye azali mondele. Kasi azali mondele ya mwana mboka. Yo kanisa ato moni azali mondele azali. Zela alo balinga la bongo. Mabi makambu yo. Eko suka wate. Mama gilene mula imbote na yo. Mote maa mimi. Bolimbi sabandeko bazo lia. Bomoni maa mimi denga zaka mwana malamu. Moto azo lia lingia melisa yeso inezela moke. Ma tomoni yo awa ozwa kipe malobakuna. Olobi na biso ndenge yo moko ozali mama pe mama koko. Me, nanu ozo nunate ozo silate mama. Mbula nyoso to ebanyi na opesa na nusekele. Oh mama, musala. Ya musala. Soki bongo tambo la kamem. Otika akabolu molenge. Yo anati. Yo anati. Na hivi saki bina makambo ya kosi la wate. Mwani mama gileni nzela meminga. Mama gileni to zonga na maso na biso alelo. Balobi responsabilite ya ba mama mpona ko zongi sa jeunesse africaine. Oebi ba anabiso baza perdu. Ba anabiso bat. Oh, pourquoi tu me demandes de l'appeler tonton? C'est pas ton frère. Ele kele rabango. Pourquoi moutounyo so tonton? Bilo kwa wana ya kocha yaya, papa, tonton. Na bana na biso yo za mama. Ele kaka ndenge nyine pa na yo moko na. Mais en tout cas na za ko mitubela parce que ngai bana nga na ko lakisa banka français. Oyebi to vanda na Congo. Na Congo kuna ba évoluer, bana il faut ka ba lo ba français et tout ça. Ba langue na biso to akotika ngomwa pembeni. Ba komi alerte yawa, bana ba yebi lingala. Oyebi ke na kamwa ki jo moko, mwa na nga zo lo ba lingala. Na bi me oyebi ndenge ni aïe maman, il y a internet. Hein? Toi, tu ne nous as jamais appris. Hein? Faut que tu n'habites pas tes parents en Rwanda. Tous les Awa, tous les Congolais d'origine, jamais tu ne vas comme Ramindel. Pour Bango, tu considères Bisoka comme Bauta. Tous les considères Bisoka comme Bauta. Donc, il faut que tu aies la culture. Pardon, maman, elle est un peu malade. Il faut que tu aies la culture dans Biso. Oui, à côté de Malam, tu gardes un auto, tu sa cabane. Bana baeba. Et pas une ligne baout. C'est très important pour ba meka ko avancer. Nous sommes en anga la colisi ngai moko pour papa bana linga ki ne bo centre ngai ne potote. Ngai moko bana 4. Et à facilité hein. L'air na komia wa na ki na musalate na zaina na chômage, ko colisa bana 4 na chômage et ali kambo. Donc, malgré ça, je me suis battu bana nanga nyoso 4. Ba sisi ba classe na bango. Bazo sala ba misa na bango donc baza indépendant on est vraiment fierté nanga ozo mona. Pourquoi? Parce que naki toujours sima ya bana. Parce que c'est vrai l'air toyaka wana kobeta bibange saki mama kasi mama il faut abima et ça peut faute na bango te mama il faut abima ke no lukambongo ya ko lesa bana. Mais d'un autre côté il faut pas ko abandonner bana parce que bana msusu bana makasi ya il y a qu'on résistait na ba certaines choses facilité à la vie ba oyebso ba binzelo soko kei ozo ambongo facilement nanda ko biloko ko lesate ozo na basket a mode te ning ba ninga ba zolata omoni okensela mbambe ba gangue o pendant des années renyaka na bosel c'était pourquoi parce que ba parents bazaki derrière ba na bangote ba bazaro se retrouver toutes tous seuls na kati andako
Bazobima, et voilà ce que ça a donné. Mais je suis heureuse parce que génération ya bana na biso na somona ke bazo s'occuper très bien na bana bango et puis baza koye ba pe qu'est-ce que c'est ba komi na na babenga nini makam na bango ya siko ya ba afro descendant donc bazo revendiquer culture na bango ya ya origine ki moindo na bango makambo na bango bazo revendiquer mais bazali pe ya wana poto bozomona les deux. Donc ça c'est très important. Banana biso génération ya banana biso bango nakanisi ke bako mema makambo ndenge ya malamu. Mama Guylaine Moulay totondi obotondi ya mingi tozaki koloba makambo yango nakanisi moko mosusu Christian Lusakwenu atuna kingai na Top Congo tolobi nini po na biso batoto ya poto na banana biso est-ce que tozaka na posa ya kozonga tena bi non papa tozaka na posa ya kozonga surtout banana biso boyo ba botamiawa ba komi na posa ya kozonga yango na tozali biso mo kote na kanisi tozali susu na mama wa zali pembeni na biso mbote mama na ngai mbote mama yo po ye masolo toyoki balobi ya ba mama bata la jeunesse africaine ndenge nini ekokoma ozomona te ke calcul yango eza pasi hein bana na biso comment tokoki ko expliquer bango que biso na mboka na biso okoki of chape etoko libanda olali titongo eza moi pas si hein. Non mais je pense que ça ndeba lobby ça question il y a faut juste encadrer les enfants. Donc ceux qui ont encadré banana yo au yemisi banana ba valeur bana ba ko s'adapter na makamnyoso. Donc c'est pour ça balobi que on doit prendre le temps. On doit prendre le temps avec nos enfants. On doit vraiment prendre le temps. Mais justement, prendre le temps, c'est très compliqué ici. Vous savez comment on n'arrête pas de courir dans tous les sens. Quand on est maman ici, on est maman à temps plein, full. Mais comment parfois on est épuisé, on a juste envie de dormir. Et là, il y en a un qui se pointe. Maman, tu fais quoi? On s'organise. Moi, j'ai 4 enfants. Les mercredis, non, le lundi, le mercredi et le vendredi, mes enfants, ils ont sport. Nous deux, les parents, on travaille. Donc, c'est une question d'organisation. Pas évident. C'est pas évident, mais on se dit que... C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc, si d'autres arrivent, pourquoi pas? Un grand merci, madame. Bonne soirée. Tolobaki makambango, ezali ndenge wana, ezali makambo mboka. Ezali makambo ya mboka, ezali makambo ya bamboka nyoso. Quand on est maman, maman okaka passe 4 fois. Moi, na zo bela, yo maman zo yo ka passe. Alors que mouta zo bela... Ezande mwana. Mama yo kapasi na place ya mwana. Mwana zoki makile zo tanga, me yo mama zo yo kapasi. Eh nzambe, kobota pasi eh? Na mwana te, mwana zo bela mama zo yo kapasi. Donc bozo kabola pasi wana. Non. Nzambe, kumisama. Il fallait sala miracle wana. Ba papa, toko simbisa bino pasi wana mukolo moko po bo banga biso. Ba papa to sengi bino.